beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 14 avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'accepte de prendre conscience que chacun a sa place et que je dois prendre la mienne. J'accepte de m'aimer davantage, de m'affirmer et d'exprimer mes besoins, en un mot, d'être moi. Pour ce dernier message, j'ai pigé le cavalier de feu. Et la suite de feu parle de quoi ? De la créativité, de la passion et de la carrière. On peut voir sur la carte que c'est un cavalier qui est à la limite, qui vient vous dire « j'arrive, j'arrive, j'arrive » pour sauver la situation. Alors passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Alors, vous ou votre situation, eh bien, le cavalier de feu est l'action qui fait suite à l'inspiration, par exemple, du valet de feu. L'heure est venue d'agir, et vraiment, l'heure est venue d'agir, et plus que vite d'ailleurs. Pour certains d'entre vous, vous réfléchirez à la suite, bien sûr, mais sans trop vous y attarder, n'est-ce pas? Alors, parmi vous, qui a le temps de rester assis à bavarder? Posez-vous cette question. Vous faites complètement confiance à votre instinct et la mousse n'a aucune chance de pousser sous vos pieds. Vos sentiments sont sans doute plus pénétrants que votre intellect en ce moment. Vous vous fiez donc beaucoup à eux. Si vous devez faire plusieurs choses à la fois, c'est pas un problème, n'est-ce pas? Vous pouvez tout à fait sauver la situation et préparer des tartines en même temps. Vous êtes sûr de réussir. Et si par malheur quelque chose tourne mal, vous vous contenterez de vous relever. Vraiment. Le tout, bien sûr. Eh bien, il faut garder le sourire parce que les gens, ils vous regardent, tout excités et impatients. Pourquoi ne le seraient-ils pas? Êtes-vous dans cette situation d'urgence où vous avez besoin de prendre des décisions, où vous faites confiance à votre petite voix intérieure? Eh bien, le cavalier de feu vient vous dire qu'il est urgent de prendre cette décision et de passer à l'acte. Mettez votre ego de côté aussi, c'est important. Et on vous demande de ne pas prendre de décision hâtive. Et certainement pas de juger les autres trop vite. On vous invite à ne pas être imprudent. Donc, il y a une situation qui est en urgence, vous devez prendre une décision. Eh bien, vous avez peut-être aussi besoin d'une personne extérieure, n'est-ce pas ? Ce n'est pas exclu. Prenez peut-être, demandez à une personne extérieure, peut-être qu'elle pourra aussi vous aider. Alors, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes une personne qui est passionnée, aventureuse,
Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes confiant, enthousiaste, courageux, charismatique, dynamique. Et ça peut vouloir dire que vous allez faire une rencontre et que vous allez avoir une relation passionnée avec une personne dynamique, avec une personne audacieuse, avec une personne charmante. Ça peut être aussi une histoire d'amour passionnel. Par contre, ça peut aussi vouloir dire que vous allez faire un voyage, que vous allez peut-être faire un déménagement en urgence. Voilà, c'est une carte qui donne confiance, n'est-ce pas, sur un événement nécessitant une action vraiment tout de suite, une action immédiate. Voilà, vous devez prendre des décisions ou une décision et il est temps de la prendre aujourd'hui, présentement. Voilà pour le tarot de la sagesse des anges. Et je termine, n'est-ce pas, avec le petit oracle des anges gardiens. Et là, j'ai pigé « Prière, cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. » Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés avec gratitude. Waouh, belle prière, n'est-ce pas? Donc, demandez à vos anges de vous aider dans cette décision que vous devez faire aujourd'hui. Voilà, demandez à votre ange physique. Je vous souhaite, ben voilà, une belle journée, un joli week-end, et puis on se retrouve eh bien, pour une autre capsule. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et pour ma part, je vous embrasse tout fort. À tout bientôt.